Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Je viens donc tout juste de voir que une mise à jour nous permet maintenant sur notre Google Home de créer nos propres routines. Tel on le ferait avec l'enceinte de chez Amazon, le Google Home est maintenant capable de créer ses propres routines. Ce qui veut dire que c'est une mise à jour Google Home qui est tombée dernièrement. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer vos propres routines par le biais d'un simple mot lorsque vous allez interroger votre Google Home. Alors on va tout de suite partir sur ce tuto. Merci de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer sur Vision High Tech. Bientôt, je vais vous faire une autre vidéo sur les dernières applications puisqu'il y en a pas mal qui viennent de sortir. Alors surtout, pour suivre et avoir tous ces renseignements sur les tutos, démos et présentations Google Home, eh bien, je vous propose de vous abonner à la chaîne Vision High Tech. Allez, c'est parti de la création de routines sur Google Home. On va donc aller sur l'application Google Home. On va ouvrir l'application Google Home. Ouvrir le menu. Bouton. On va ouvrir le menu qui est le bouton tout en haut à gauche de votre iPhone. Une fois que vous avez ouvert ce menu, vous avez un panneau de contrôle qui s'ouvre. On va se diriger sur l'option Plus de paramètres. Mon activité. Plus de paramètres. Bouton. Et on va entrer. Plus. Une fois dans Plus de paramètres, on va se diriger vers le bas de la fenêtre. Et on va rencontrer l'option qui vient de faire son apparition, qui est l'option routine. Réservation, voicemail, service, musique, routine, bouton. Appuyez deux fois pour gérer vos paramètres de routine. Les routines, comme son nom l'indique, ce qui veut dire que avec un mot-clé, on va pouvoir lancer toute une série d'actions. Ça va vraiment être génial et ça vient tout juste de faire son apparition. Alors, on va voir comment créer ensemble une routine sur notre Google Home. Et voir comment ça va se dérouler. On va rentrer donc à l'intérieur et comme vous avez pu voir, l'option se trouve dans Service. Une fois qu'on rentre dans Routine, Routine, en tête, menu, bouton, ajouter, bouton, tout en bas à droite, on a le bouton. ajouter. Mais au préalable, on s'aperçoit que déjà des routines ont été créées auparavant. Ici, Personnaliser. Demandez à l'assistant d'effectuer plusieurs tâches à l'aide d'une seule commande. Utilisez des routines prêtes à l'emploi que vous pouvez adapter en fonction de votre journée et créer de nouvelles routines personnalisées. on a des routines prêtes à l'emploi et on peut s'en servir telles. Par exemple, là aussi, sur la nouvelle application raccourci que l'on trouve sur iOS, et on peut créer plusieurs actions simplement en disant un mot-clé à notre ami Siri. Ça va être ici la même chose avec notre ami Google Home. Et ce qui va permettre de faire plusieurs tâches avec un seul mot. On va écouter les routines qui ont déjà été construites. Citation, une action numérique, une action. Quand je dis numérique, l'assistant Google doit parler avec Numérama. Donc, par exemple, lorsqu'on dira à l'assistant numérique, on parlera avec Numérama. C'est plutôt pas mal. Trajet travail domicile, deux actions, bouton. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de routines déjà créées. On va en créer une nous-mêmes ici. Ajouter, bouton. Appuyez deux fois pour ajouter une nouvelle routine personnalisée. Allez, on va se faire ensemble une routine personnalisée et voir comment ça se passe. Voilà la page lorsqu'on rentre dans Nouvelle routine. Enregistrer, estomper, On a le bouton. bouton Enregistrer. Quand je dis ajouter des commandes, obligatoire. Quand je dis, on va donc devoir dire un mot-clé à notre Google pour qu'il puisse exécuter les actions. Ajouter une nouvelle commande en tête. Quand je dis champ de texte. Champ de texte. Modification en cours. Salut à tous. Insertion de salut à tous. Enregistrer. Bouton. Je reviens à gauche et on arrive sur le bouton Enregistrer. Définir une heure et un jour. Facultatif. Bouton. On peut donc définir une heure et un jour pour que justement, lorsqu'on dira ce mot-clé tel jour ou telle heure, la routine se met en place. L'assistant Google doit, en tête, ajouter une action, bouton. Saisir une commande pour l'assistant Google, ajouter, par exemple,
Règle le volume sur 50% ou quelles sont les prévisions météo? Ou sélectionner des actions populaires. Actions populaires. Lien. Allez, on va aller sélectionner des actions populaires. Sélectionnez des actions pour les ajouter à votre routine. Allez, on va sélectionner différentes actions pour voir comment ça va se passer. Contrôle de la maison. Contrôler les lumières, les prises, et plus encore. Régler le thermostat. Ajuster les scènes. Planifier votre journée. Météo pour aujourd'hui. Non sélectionné. Météo pour aujourd'hui. Sélectionné. Météo pour demain. Non sélectionné. Rentrer à la maison. Non sélectionné. Bouton. Rentrer à la maison. Sélectionner. Là donc, je sélectionne les différents éléments pour, quand je dirai mon mot-clé, ma routine se mette en place. Obtenir le programme de ma journée. Non sélectionné. Bouton. Obtenir. Annoncer sur tous les appareils je suis rentré. Non sélectionné. Annoncer. Diffuser le message je rentre à la maison via mégaphone. Non sélectionné. Diffuser. Envoyer un SMS. Non sélectionné. Bouton. J'ai ajouté ici, j'ai coché les cases nécessaires à ma routine. Je le valide. Ajouter. Bouton. Avec le bouton qui se trouve tout en haut à droite. Précédent. Ma routine est donc faite. Enregistrer. Bouton. Je vais donc l'enregistrer. Enregistrer. Maintenant, si je teste mon Google Home et que je lui dis salut à tous, il devrait lancer ma routine. Et ça, vous allez pouvoir en faire des tas et des tas. Là encore, c'est votre imagination qui va vous donner la possibilité de créer toutes ces routines. Il y en aura tout un tas que vous allez pouvoir faire et ça va vraiment vous aider tout au long de la journée suivant vos routines que vous aurez décidé vous-même de créer. On teste. Ok Google. Salut à tous. Actuellement, il fait 24 degrés avec du soleil. Il pleuvra aujourd'hui avec une température maximale prévue à 24 degrés et une température minimale à 10 degrés. Demain, il pleuvra avec une température maximale de 16 degrés et une température minimale de 11 degrés. Le trafic est fluide entre votre position actuelle et votre domicile. La durée du trajet est estimée à 2 minutes. Vous pouvez afficher l'itinéraire complet sur votre téléphone. Bonjour, Christophe est arrivé. Bonjour, Christophe est en route. Comme vous avez pu vous apercevoir, la routine s'est correctement déroulée. C'est franchement super génial. Les routines maintenant sur Google, c'est possible. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonction, cette nouvelle mise à jour sur Google Home, qui est vraiment ultra franchement génial. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, pensez bien à vous abonner pour avoir les dernières infos Google Home à partir de Vision High Tech. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.